dans un de ses véhicules le ministre égyptien de la Défense, Mohamed Hussein Tantawi. Il s'est rendu brièvement sur la place Tahrir ce matin. Il est venu parler aux soldats, mais aussi à la foule, selon des témoins. Nous ne partirons pas tant que nos revendications n'auront pas été satisfaites, ont lancé des manifestants. Mohamed Tantawi a essayé de parler à la foule pour lui expliquer que ce qui se passe porte atteinte à l'Égypte, dit cet homme. Mais les gens ici estiment que cet homme, Hosni Moubarak, doit partir et on n'acceptera rien d'autre que cela. Le ministre de la Défense a également rappelé aux manifestants que Moubarak n'allait pas se représenter comme candidat à l'élection présidentielle. Mais pour les protestataires, ces promesses sont loin d'être suffisantes.